l'officier divisionnaire Vermillon. Capitaine Grandel, il est à vous. Merci. Vous avez prévu un mannequin pour la reconstitution du crime, capitaine? Ah non, c'est une affaire qui est de votre ressort, monsieur le divisionnaire. On pourrait peut-être mettre un de vos gendarmes. Nous ne sommes ici que pour convoyer le prisonnier. Quelque chose qui ne va pas, messieurs? Ah, si, si, tout va très bien, monsieur le procureur, tout va très bien. Nous allons pouvoir commencer. Clément? Voilà, Clément, vous allez faire la petite. Comment? Vous allez faire la petite fille. La petite fille, vous allez vous allonger avec le violeur et faire la petite fille. Allez-y, mon vieux. Oh. Allez, c'est un ordre. Ah, alors, évidemment. C'est vous qui êtes la petite fille. Ben, je remplace, il m'a demandé parce que... Bon. Rouchard. Lui, être petite fille. Toi, faire avec lui... Pas toi, refaire ce que tu as fait. Hein? C'était lui, la petite pupille. La pupille. Pupille. Eh ben, tenez-le là-haut. Elle sortait de l'école. Alors vous allez marcher le long des arbres, là, pendant une dizaine de mètres. Ouais. N'oubliez pas que la malheureuse petite victime était en train de manger son 4 heures. A-t-on prévu un goûter? C'est la pupille. Ah ben, vous avez un goûter? Non, bah, il fallait me le dire, moi, ma mère, elle m'aurait fait un truc et... Oui. Marchez. Oui. Et vous, allez-y. Vite! Je proteste, monsieur le juge. La victime, vu son poids et son âge, ne pouvait pas se défendre de la sorte. Cessez, voulez-vous? Je m'excuse, monsieur le juge, mais il me semble que le drame s'est passé sous la pluie. C'est tout à fait exact, monsieur le procureur. Ah ben, il pleut pas. En plus, quoi qu'il pleuve, il pleut pas. On recommence. Allez-y. Ah ben, dites donc, allez. Oh. Allez-y, Rouchard. La pupille. Oh là. Enfin, grand respect pour mes votre. Mais consultez les archives psychiatriques, les tendances homosexuelles de mes clients qui sont nettement mentionnées. Je vous en prie, maître. La petite Marie d'Argeux a été violentée à 6 reprises. Alors, tout ceci est inadmissible. Vous en êtes rendu. Si votre maman vous voyait. Bah, si c'est pour dire une connerie, hein, je peux le faire. Moi non.